we gon' burn it down. L'inscription, la phase la plus importante de la journée. Anthony et Thibaut. C'est ça. Donc, vous êtes dans le groupe avec moi. Donc, Thibaut, ok. Vous êtes dans mon groupe. Je te laisse prendre ton pack de bienvenue. Ok. Et puis après. Top, merci. En fait, là, c'est pas un rendez-vous. Merci. Tu connais pour votre collègue aussi ? Ouais, je vais prendre pour lui, merci. J'ai amélioré la dernière fois. Ouais. Merci beaucoup. Les orteils sur les pédales, on se recule un maximum sur la moto, ok, les genoux ici, d'accord, donc bas du corps, les orteils ici, si je veux tourner de ce côté là, je déhanche une fesse, d'accord, je m'aide à me tenir grâce à mon genou extérieur, d'accord, là j'ai pas le boulon, là je peux rester ici, je suis très bien, d'accord, je m'aide ici, j'ai une fesse décalée, pointe de pied, genou ouvert, ok, je suis en train de galérer parce que j'ai mon genou ici. Si je suis trop en avant, mon genou il est ouvert, je tourne autour du réservoir et je glisse. Donc pensez à bien vous mettre en arrière, comme ça on est nickel. Le haut du corps, le plus important. Pensez à une chose, le haut du corps il doit se diriger vers l'intérieur de la moto. Donc je donne souvent cette image. Quand vous êtes dans un virage, c'est comme si quelqu'un vous appelait sur l'intérieur. Je vais tourner mon buste vers l'intérieur ici. Hop, et déjà en tournant mon buste, la moto elle a envie d'y aller. Une fois que j'ai tourné mon buste, je vais prendre ici au niveau de mes guidons. Donc le but, si je le tourne, j'amène l'épaule extérieure vers ma poignée, ici. Comme si je voulais aplatir mon épaule sur ma poignée opposée, d'accord? Pour ça, j'hésite pas à tendre le coude ici. Plus je tends le coude à l'extérieur, plus je m'éloigne de la moto et je mets du poids à l'intérieur. Et pour descendre ensuite mes épaules, je vais juste plier mon coude ici, déverrouiller, ok? Je donne cette image, menton, on se rapproche au niveau du coude, d'accord? Donc pour ça, je le plie ici, j'amène l'épaule ici, vers ma poignée, là, et je regarde loin devant, ok? Donc il faut réussir à trouver un juste milieu, d'où les difficultés d'exercice par rapport à sa vitesse, l'angle qu'on y met, etc. Pour essayer de trouver le bon point de pivot, on appelle, pour essayer de trouver la bonne direction pour accélérer. Le but de cet exercice, c'est pas de rentrer vite, déjà, ça va être de sortir vite. Ok ? Mais vous allez voir que pour sortir vite, on a dit qu'il faut être dans la bonne... Exactement. Direction. D'accord ? Et pour être dans la bonne direction, il faut venir s'écarter au bon endroit.
l'école Race Experience School, elle a été créée à la base à l'initiative de Sébastien Jambert. Je suis venu par la suite m'associer à Sébastien et on a monté l'école depuis plusieurs années où à la base c'était qu'une partie enfant, on prenait de l'enfant à partir de 4-5 ans. On l'initiait à la moto, les premiers tours de roue et puis après ils font du perfectionnement et puis de la compétition. Et puis en fait la partie adulte ça s'est fait d'un constat très simple, bah, les parents ils sont venus nous voir en disant mais vous faites pas la même chose pour les adultes et on s'est dit bah, pourquoi pas adapter notre pédagogie aux enfants, bah, de l'adulte et c'est ce qu'on a fait et ça a beaucoup plu, la pédagogie a bien plu sur la partie adulte et nous on a un public, c'est vraiment le motard de la route, donc en fait la personne vient par la route, c'est beaucoup de motards, on accepte tout type de moto, on a du 200 GS, de la Diavel, des gens qui viennent par la route. On fait des petits groupes de 10, ce qui permet de faire des retours personnalisés avec le niveau de chacun. Le matin, on travaille virage par virage. Donc dans le but de la journée, c'est de gagner en marge de sécurité sur la route, de mieux comprendre sa moto. Et pour ceux qui veulent se faire vraiment de la performance des pistards, on en a aussi pas mal, bah d'aller chercher les petits points clés qui leur permettront de rouler encore plus vite, longtemps, pas juste faire un tour vite, comprendre leur machine. Et ensuite, pourquoi pas les amener sur du plus haut niveau pour ceux qui le souhaitent. Et pour ceux qui souhaitent juste partir en balade avec un bagage technique plus évolué pour justement rouler avec plus de kilomètres et en sécurité, bah, ils peuvent venir également complètement sur ce type de journée. On ouvre sur les stages adultes vraiment à partir de 17-18 ans, à partir de la 125, permis à deux dans le groupe des débutants. Dans le groupe des moyens, c'est des gens qui ont une bonne expérience en route, style avec des roadsters, des choses comme ça, mais jamais fait de piste. Puis dans le groupe des confirmés, c'est des gens qui ont des motos un petit peu plus adaptées et qui ont déjà au moins une ou deux expériences sur piste. En fait, grâce au groupe de 10, on arrive à s'adapter au niveau de la personne, du pilote et au style de moto qu'il a ou qu'elle a. Et en fait, sur la journée, le matin, en travaillant secteur par secteur, les stagiaires ont énormément d'informations et l'après-midi, ils les mettent en application sur la piste sans arrêt. Et donc du coup, ils peuvent mettre en application tout ça. Le fait de partir volontairement en coupant le circuit, ça réduit, on va dire, les risques de vouloir partir trop vite et d'avoir cette sensation des virages qui nous mettent un peu à la gueule et de ne pas pouvoir apprendre. On les bride volontairement pour que l'après-midi, en les bridant toujours, ils réussissent à mettre en application ce qu'ils ont vu le matin. En fin de journée, il y a énormément d'infos. Nous, les plus gros retours qu'on a, c'est pas à la fin de la journée, c'est après. Quand ces personnes reviennent sur les stages ou vont rouler, je dis mais en fait c'est bon, j'ai compris. Et là, ils passent vraiment un cap. Ils passent vraiment un cap. Souvent, on voit des beaux caps qui se passent sur l'après-midi quand ils roulent sur les sessions parce qu'ils sont toujours que 10, donc c'est des conditions VIP. Et puis quand ils vont faire leur journée de roulage libre ou quand ils viennent revenir sur nos stages, là, ils passent vraiment des caps et on voit bah, de la performance, de la sécurité et puis du sourire. Donc c'est top pour nous, quoi. Alors sur de l'adulte, on est environ entre 5 et 8 stages de pilotage à l'année. Entre le circuit de pôle mécanique d'Alès et le circuit du Luc, on fait entre 1 et 2 roulages libres également pour regrouper un petit peu tout le monde. Pour de l'enfant, on a une dizaine de dates sur les circuits de karting. Et puis après, tout ce qui est stage de perfectionnement et initiation, on est toutes les semaines, 2-3 fois par semaine. Merci à vous, à bientôt.